tu vas pas te retrouver au portant à envoyer le spi, aussi tu vas pas le fou. Et quoi, là, c'est 3-4 heures de dur un peu, quoi. Tu vas imprégner, ça va foutre partout parce que t'as le plastique. Ouais. Et après, tu fais ce que t'as à faire. Tu peux mettre un petit 1 plus utile ? Enjoy. Voyons. T'as un beau bateau, il est rouge, les bateaux rouges ils vont vite. C'est ça. Il y a un mélange de d'être dans sa bulle et se préparer à ce qu'on va avoir pour la suite. Et un mélange de ça y est, on est sur le départ, on quitte tout le monde. On dit au revoir à la famille et c'est peut-être la seule chose qu'on ne peut pas se préparer, quoi. C'est l'émotion du départ et tout ça, mais... Bon alors, il fait quoi le barreur reader ou quoi? Là, c'est bon. On devient fou tout seul. Ça va mieux, le vent est revenu. On passe tellement par toutes les émotions sur cette course là, c'est bon feu. Je suis dégoûté, je viens de plier une barre de flèche là, qui tient mon gréement, mais il y a 8 nœuds de vent quoi. La course elle est morte quoi, elle est morte. On va essayer de réparer quand même. L'objectif c'est de démonter cette barre de flèche droite et je vais essayer de refaire comme j'attelle. Bon, j'ai fini. J'ai fait une petite attelle là avec du composite que j'avais. Remonte au mât, je le mets et je vous tiens au courant.
J'ai réparé, c'est reparti. Ah, je suis tellement fier de moi. Et j'ai mon pote Loïc là qui vient me voir pour me remonter le moral. Alors, petit Basile. L'enfer. Ma maman et ma petite sœur m'ont donné plein de petites photos de ma petite Prada. Quand j'ai le temps, je lis les mots qu'il y a un peu partout dans mon bateau. Voilà, ça. Bah, ça nous rappelle qu'on est quand même des chanceux et que se plaindre, c'est un peu être bête. Ah. Fallait se réveiller. Terre en vue, nous allons. Allez, on y est là. Enfin, c'est génial d'arriver au bout avec un bateau en entier, d'avoir réparé à la première étape pour arriver ici. Je pense que ça vaut tellement le coup que c'est top, je suis trop content.